मतलब साया हाँ Bonjour maître. Bonjour maître. Non, il savait pas. Attends, il s'en va. Il savait pas. Non. Bonjour maître. Bonjour. Alors maître, l'attente est longue. Depuis 7 heures pratiquement, on vous aperçoit ici. Vous faites des va-et-vient. Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la libération des graciers? Bon, je vous remercie. Effectivement, l'attente devient très longue. Comme nous sommes habitués, on va accepter parce qu'on aime dire quand tu as supporté 10 jours, il faut accepter le 11e jour. Peut-être dans quelques heures, les choses vont rentrer à l'ordre parce que le décret de M. le Président de la République s'applique immédiatement. Sauf qu'il y a des questions de commodité et de formalisme qu'il faille régler avant que les choses ne soient faites. Sinon que l'attente quand même devient très longue, parce que nous sommes là depuis le matin, depuis 9h. Mais nous attendons, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Parce que ce que nous recherchons est très important et vital pour nous. Justement, maître Béa, après 11 ans, l'un de vos clients, en l'occurrence maître, a obéi d'être libéré. Quel est le sentiment de vous en tant qu'avocat aujourd'hui? Pas 11 ans. Après 12 ans, 7 mois, 5 jours que le commandant a ouvert, change la boucle et sa liberté. Et il y a moins de 24 heures, la journaliste Tawel ici présente avait pris ma déclaration, elle a fait passer sur l'évasion, dans laquelle j'ai demandé à M. le Président de la République, au Premier ministre et à toutes les personnes de bonne volonté de se pencher sur le cas du commandant AOB. Parce que lui, maintenant, il est là pour rien. Il n'y a aucun dossier contre lui. C'est qui, ça? Il n'y a aucune source, absolument rien. Donc, il ne fallait pas continuer à le garder. Donc, c'était pour la énième fois que ce genre d'appel était lancé. Mais je crois que cette fois-ci, elle a été la bonne. Parce que le cri de cœur a été entendu et finalement hier soir, à la surprise générale, le décret est passé. J'ai été appelé par plusieurs personnes qui m'ont confirmé effectivement que le décret est passé. Donc je voudrais profiter de cet instant solennel pour remercier le bon Dieu qui nous a permis de voir ces jours-là. C'est un bout de tunnel. C'est un décret qui vient refermer totalement une page sombre de notre appareil judiciaire, le dossier du 19, et qui avait connu l'arrestation de plusieurs Guinéens. Au départ, plus de 300 Guinéens avaient été privés de leur liberté. Il y a des accusés que nous avons défendus ici. Leur seul tort était d'avoir été aperçus dans le parage à la veille de l'attaque. Le passage simple, le fait d'avoir été aperçu à Kipé à la veille de l'attaque, 2 ou 3 jours, alors, et ils avaient déjà été embarqués dans le dossier. Donc, au fur et à mesure, ces personnes ont été libérées, des militaires comme des civils, ils se reconnaîtront. Aujourd'hui, je sais que certains occupent les hautes fonctions de l'État aujourd'hui. Ils ont été suspectés dans le vide, pour rien, pour leur position. J'ai dit militaire, civil. Ils avaient été suspectés, rien. Donc ils étaient en prison ici. Ils ont été libérés progressivement. Et le procès a eu lieu. Plusieurs personnes ont été libérées. Libération en libération, il est resté aujourd'hui Jean Guilabogui et AOB, contre lesquels aucune charge ne pouvait être retenue parce que la Cour suprême avait cassé et annulé. Mais malgré tout, on a continué à les garder. Donc il faut remercier le bon Dieu d'avoir permis que ces jours arrivent. Ensuite, il faut remercier M. le Président de la République, chef de l'État, le président du CNRD, le chef suprême des armées, le chef de l'État, son gouvernement, le Premier ministre, sans oublier Monsieur le ministre, secrétaire général à la présidence, je pense que, et toutes les bonnes personnes qui l'entourent, toutes les bonnes forces,
se sont donné rendez-vous hier pour finalement convaincre le preneur de cette décision salvatrice qui a permis que le nom du commandant AOB de Jean Guilavogui y figure. Il y a eu beaucoup de décrets de grâce, qui peut compter une dizaine. Mais chaque fois, nous sommes restés sur notre fait. Mais cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Aujourd'hui, son nom figure. Je crois que dans quelques heures, il va mettre pied dehors. Il faut remercier la presse. C'est extrêmement important. La presse joue un très grand rôle. Le résultat d'aujourd'hui, 7, était dans le circuit. Mais je crois que l'interview d'avant-hier par la presse sur l'évasion a été, et sur Mosaïque Guinée, les deux interviews ont été des éléments qui ont dû déclencher, peut-être à mon avis, ou qui ont dû accélérer le processus. Donc la presse nous a accompagnés tout au long. La preuve est que voilà, vous êtes massivement réunis ici depuis le matin, vous n'avez plus rien faire. Massivement réunis ici pour assister à cette autre victoire de l'État de l'Union. Donc je vous remercie infiniment, très infiniment. Vous faites ce métier avec beaucoup de risques. Et sans oublier mes confrères, tous mes confrères avec lesquels nous avons commencé ce dossier. Aujourd'hui, certains sont à l'au-delà, que Dieu est leur âme. D'autres sont ici vivants, présents, et nous agissons tous de concert. Et Dieu merci, c'est un grand fardeau que Dieu vient d'enlever sur notre tête. Parce que le commandant Aoubé, son cas était devenu un cas d'école. Donc, Dieu merci. Mais, une fois de plus, l'attente devient très longue. Maître, une dernière question peut-être. Il y a combien de personnes graciées au-delà de Aoubé et Jean Guilavogui? Excusez-moi, sauf si je vous raconte des histoires. Je suis là pour le commandant Aoubé et Jean Guilavogui. Sinon, je ne serais même pas. Mais je suis content quand même que d'autres Guinéens aient été graciés. Voilà. Merci, maître. Merci.